comment M. Johnson est juste, ingénieur de l'homme et coordonnateur régional de ce projet. Et merci d'être venu ce matin avec nous dans le cadre de la veillée de planification opérationnelle et budgétaire et budgétisation qu'ils ont planifié par les partenaires concernés par ce projet, comme vous voyez ici, la FAO, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, le Fonds de l'Environnement mondial et le MNEP. Vous aurez avec vous M. Patrick Nicolas, assistant FAOR au programme, qui va parler du cadrage du projet avec le cadre de programmation pays de la FAO et les politiques et stratégies nationales. Moi, je vais vous, comme Taïcha, un grand merci à vous. Comme Taïcha a dit, je vais pratiquement, mon intervention, c'est surtout sur le cadre, le cadrage du projet sur les priorités nationales. Alors, permettez-moi, avant de commencer mon intervention, en vous exprimant vraiment mes plus sincères remerciements de votre présence et de votre participation à l'atelier de planification opérationnelle et budgétaire du projet gestion durable des paysages de production boisée pour la conservation de la biodiversité. Je souhaite saisir cette occasion pour vous rappeler que la FAO développe une coopération technique avec le gouvernement haïtien à travers le cadre de programmation pays. Ce document est aligné sur les priorités nationales qui sont définies. Pour appuyer les efforts du gouvernement, la FAO soutient le pays dans quatre domaines prioritaires. Le premier domaine, c'est l'amélioration de la gouvernance et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les statistiques agricoles, amélioration du système d'information. Ça, c'est le premier domaine prioritaire. Le deuxième domaine prioritaire, c'est un appui que la FAO fournit aux filières porteuses sélectionnées par les ministères. Là, je parle des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, du ministère de la Condition féminine aux droits des femmes. Le troisième domaine prioritaire, c'est plutôt un appui que la FAO fournit à la conservation et à la gestion des ressources naturelles. Là, nous avons les actions relatives au changement climatique, à la protection du bassin versant, etc. Et le quatrième domaine prioritaire, c'est la FAO appuie le gouvernement au renforcement des communes, de la résilience des communautés aux catastrophes naturelles et aux crises. Je voudrais, au nom du ministère de l'Environnement, souhaiter la plus cordiale bienvenue à vous tous qui sont venus participer à ce atelier de planification et opérationnel dans le cadre du projet gestion durable des paysages de production boisée pour la conservation de la biodiversité. Cet atelier que nous ouvrons aujourd'hui s'inscrit dans une démarche participative pour impliquer les acteurs à toutes les étapes de la vie du projet. Vos contributions et implications sont essentielles pour la réussite de ce projet. Développement durable de la productivité du secteur agricole. Ce projet est également en conformité avec l'article 98 du décret 4 du ministère de l'Environnement, stipulant que l'agriculture conservationniste est d'intérêt national, et ce projet s'allie aussi avec la stratégie nationale de la biodiversité qui met un accent particulier sur la biodiversité agricole avec la promotion du système d'agroforesterie. Le ministère de l'Environnement reste persuadé
que ce projet, à travers son approche, aura à générer des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux basés sur une gestion intégrale et durable des paysages de production boisée. Cet atelier est une bonne occasion pour le ministère de l'Environnement de solliciter l'appui et la collaboration de tous pour redresser la situation environnementale du pays à travers une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Je voudrais également profiter de cet atelier pour remercier le programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la FAO, les cadres de la direction de la biodiversité, les consultants, les agriculteurs, les coopératives café et cacaoyères, les organisations communautaires, les collectivités territoriales qui ont, et à leur façon, ont apporté leur contribution au montage de ce projet. Et sur ce, je déclare ouvert l'atelier. Merci. Merci à vous, Patrick. Comme vous le savez, pour la plupart, cette approche a commencé beaucoup plus dans les pays francophones qui parlaient de FFS, Farmers Field School. Et en faisant notre traduction, les francophones ont d'abord utilisé le mot paysan, mais par la suite, ils ont constaté que certains n'aiment pas être paysans et que le mot producteur est mieux approprié que paysan. Donc ne soyez pas étonnés si vous m'entendez parler de champs école de producteurs, c'est la même chose, sauf qu'il y a des variations dans l'appellation. Alors ma présentation sera articulée autour des points ci après. D'abord, essayer de définir ce que c'est qu'un champ école. Et puis, parler brièvement de l'origine, évolution et adaptation de l'approche. Ensuite, je vais parler du processus de formation dans ce CEP. Et puis, je vais parler des principales activités qui sont menées dans un CEP que certains appellent pratiques. Et puis je vais vous montrer très brièvement les phases et les étapes de mise en place et de fonctionnement d'un CEP. Et puis je vais parler des contraintes et défis tirés de ce que j'ai vu sur le terrain dans différents pays. Et je vais proposer également des clés de réussite. Et enfin, je vais conclure. Ne soyez pas étonnés par le nombre de points. Je vais essayer d'être rapide. OK? Si on me demandait à parler de champs école, je pourrais parler de ça pendant 2 mois. Ou même plus. Parce que en faisant les formations des maîtres formateurs ou de facilitateurs, je pense beaucoup de temps à parler de champ école. Donc je vais essayer de me résumer. Alors, en parlant de champ école, il y a certains qui font une définition très longue. Mais moi, en résumé, je dirais qu'un CEP, un champ école des producteurs, c'est une école des producteurs dans leur milieu de production, dans leur système de production. Parce que les gens sont beaucoup plus habitués aux champs écoles menés dans le secteur de l'agriculture. Mais la même approche est utilisée dans le système d'élevage extensif. Là, vous verrez, dans la partie haut droit, vous voyez, il y a un troupeau dans les pâturages. Ils font les champs écoles.
En bas, à gauche, j'ai mis une photo d'un groupe qui apprend sur l'agriculture. Et en bas, à droite, un groupe qui apprend dans un élevage semi-intensif ou dans un élevage intensif. Jusque-là, vous voyez que le champ école des producteurs, ils sont variés, c'est en fonction de leur activité. Mais tout ça, il faut noter que si c'est pour la plante, on étudie la plante et son environnement. Si c'est dans le système de l'élevage, que ce soit intensif ou extensif, ou même dans le pastoralisme, on étudie sur l'animal et son environnement. Je ne sais pas si jusque-là je me fais comprendre. On ne s'intéresse pas uniquement à la plante ou à l'animal, mais on doit s'intéresser sur leur environnement. On dit que un champ école, c'est une école sans mur. Et à travers les photos que vous voyez là, vous pouvez voir des gens qui sont en train d'apprendre sur un animal et son environnement dans les pâturages. Ça, c'est un groupe champ école qui est en train de faire de prendre les paramètres pour l'animal qui constitue comme ils sont dans le domaine de l'élevage bovin. En bas à droite, on voit qu'un champ école se déroule au champ et les gens apprennent en pratiquant. Sur la photo en haut, à gauche, on voit des gens qui sont assis dans la nature sous un arbre. Ils sont en train d'apprendre. Ils ne sont pas dans un bâtiment à quatre murs comme là où nous sommes. Et on voit également en bas à gauche qu'ils sont au champ en train d'apprendre des techniques culturelles. Donc c'est une école sans mur qui se déroule au champ où les gens apprennent en observant, en pratiquant, mais également ils apprennent sur d'autres thèmes, tous les autres thèmes où ils rencontrent des difficultés, ils rencontrent des problèmes dans leur communauté. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas uniquement sur l'activité focale qui peut être agriculture, élevage ou autre chose, mais ils apprennent sur tous les problèmes qui handicapent, qui freinent le développement de leur communauté. Alors, on dit que l'approche en école, c'est une approche de vulgarisation, n'est-ce pas? Ok? Mais qui dit vulgarisation, il faut qu'il y ait de la matière à vulgariser. Il faut qu'il y ait des innovations ou des bonnes pratiques à vulgariser. À vulgariser auprès de qui? Auprès des producteurs qui sont dans leur système de production. Et ça se fait comment? Ça se fait à travers un apprentissage sur un groupe variant entre 25 et 30 personnes. Mais vous trouverez sur le terrain que des fois, au début, ils sont nombreux et le nombre peut varier au cours du cycle d'apprentissage. Mais c'est ça qui est recommandé. Et la durée est variable en fonction, d'abord, du projet qui appuie la mise en œuvre de ces CEP, mais également en fonction de la culture ou de l'élevage qui est comme activité focale, activité d'apprentissage. Et cet apprentissage doit être fait sous la facilitation
sur le guide dans l'agenda de vulgarisation. Mais qui doit être formé? Là, j'insiste. L'agenda de vulgarisation qui aide l'apprentissage dans un champ école doit avoir été formé pendant 3 à 4 semaines. Là, je dis de manière générale, peut-être Jean-Rival va nous parler de ce qui se passe en Haïti. Ou bien, l'apprentissage peut être facilité par un autre producteur jugé capable, après avoir subi une formation en CEP pendant tout un cycle. Le facilitateur, quand il encadre les groupes CEP, il doit essayer de repérer des producteurs qui maîtrisent, qui peuvent devenir eux aussi des facilitateurs, moyennant une formation plus approfondie sur l'approche CEP. Et les facilitateurs sont formés par des maîtres formateurs. Et des maîtres formateurs, j'ai dit agréés, parce que des fois, on va trouver des maîtres formateurs qui s'improvisent. Ils tombent sur un manuel, sur les CEP, et ils vont dire, moi je maîtrise l'approche, j'ai lu ça. Celui-là, il n'est pas maître formateur, et il ne peut pas former les facilitateurs. Alors, où est-ce que cette approche a pris naissance? C'était en Indonésie, là où ils avaient des problèmes de gestion des ravageurs, particulièrement pour la culture du riz. Et c'est là où ils ont commencé cette approche. Là, j'ai quelques minutes, je ne peux pas développer comment ça s'est fait. Je pense que j'aurai l'occasion dans un autre moment de pouvoir développer ça. Et puis, après l'Indonésie, l'approche a connu une extension vers d'autres pays d'Asie, vers le Moyen-Orient, vers l'Amérique latine et vers l'Afrique. Ok? Alors, cette approche qui a commencé sur la riziculture, donc dans le secteur agricole, là on parlait de Farmers Field School, FFS, et on continue à l'appeler comme ça dans le système en agriculture. Mais on a constaté que... Comme vous le savez, c'est en majorité ici des agronomes, vous le savez que l'agriculture de conservation a principalement trois principes de base. Qui sont la couverture permanente du sol, le zéro labour, et quoi encore? Le dernier, l'association et la rotation de culture. Donc ce sont des essais de culture visités par le personnel du plus haut niveau des ministères agriculture et environnement qui sont présents. C'était à Léogane. Des cultures de couverture en multiplication. Et puis, et comme Cécile l'a expliqué, le champ école paysan a été initié sur la riziculture, mais cependant, par la suite, elle allait se répandre sur diverses thématiques. Et l'une d'entre elles, c'est la conservation ou la gestion. La conservation ou la gestion de la dimension du changement climatique, la gestion des catastrophes, etc. ou autres. Et là, la première image à gauche, c'est les techniques d'agriculture sur les terres en pente. Vous voyez
la structure qui est préparée, qui a été construite pour précisément les cultures en couloir avec des structures de protection anti-érosive. Donc à droite, c'est cette photo a été prise en 2016 suite à la sécheresse de 2015-2016 et qu'il a été quasiment impossible de produire